Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Vous vous demandez quel est ce logiciel tactile présence? Si vous voulez le savoir, alors regardez notre vidéo. Voici le logiciel tactile présence. Ce logiciel vous permettra de suivre en temps réel les présences de votre personnel. Donc comment ça marche? Regardez notre écran, nous allons créer ensemble que Madame Alberto doit aller chez Android. Maintenant que nous avons créé, il faut bien sûr mettre un mot de passe pour Madame Alberto. Donc regardez, nous mettons par exemple 879. Maintenant que nous avons créé l'intervention plus le code, regardez notre logiciel. La personne, quand elle arrive sur site, elle met ses chiffres 8, 7, 9 et elle appuie sur OK. Si vous voulez, il y a une option appareil photo qui permettra de faire la photo de l'intervenant, comme ici. Et nous appuyons bien sûr sur le B. Et directement, l'intervention plus la photo va remonter sur son petit planning. Regardez notre logiciel. Nous voyons bien qu'il y a un rond orange qui veut dire que la personne a commencé son intervention. Bien sûr, il y a les retards et bien sûr, il y a la photo de l'intervenant. Maintenant, pour la fin d'intervention, c'est très simple. La personne doit remettre ses chiffres, donc 8, 7, 9, appuyer sur OK. Si vous voulez, on peut faire la photo comme tout à l'heure. Et bien sûr, dès qu'il a terminé, il appuie sur V et la fin d'intervention va être remontée sur ce petit planning. Regardez notre écran, nous voyons bien qu'il y a le V et la photo. Bien sûr, la photo d'intervention, comme je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez la désactiver ou l'activer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur softisoft.com. Et sur ce, je voulais vous dire merci beaucoup et à la semaine prochaine.